Allez, allez, donc salut et re à tous les gens, sur tous bien. On se retrouve donc sur Elden Ring qui n'a pas de son. Elden Ring qui n'a pas de son, comment ça se fait? Comment se fait-il qu'il n'a pas de son? Pourquoi le son a-t-il disparu? Ah, ok, il s'est muté tout seul, comme un grand. Hop, Esbim. Allez, on y go. Donc on était dans une zone. Ah, une zone cancer qu'on nomme comme on les aime, hein, bien sûr. La bonne zone de l'arbre sacré de Mikella. Ah, humer cette zone cancer. Humer aussi tout cet héroïsme, bien sûr. Quand je parle de cette zone. L'héroïsme est présent, bien sûr. Parce que. Ouais. C'est bien de la merde, oui, d'accord. C'est bien une map de cancéreux. Bonjour, monsieur. Bah non, je suis pas sur Nio. Pourquoi tu voudrais que je sois sur Nio? Il fallait venir plus tôt si tu voulais que j'aille sur Nio. T'aurais au moins fait un signe. J'aurais su que tu sois là. Hop là. Bonjour, monsieur Conseil. Oh putain, les bâtards. À chaque fois, il meurt. Hein. Ça, c'est triste. Non, je déconne, c'est pas triste du tout. Fait pour leur sac à merde. Non! Je ne veux pas mourir, je suis trop jeune. Nihon! Nihon! Oh putain. Pourquoi t'as commencé ta partie sur Nihon? Nihon! Oula! Super! Bienvenue à la maison. À chaque fois que je spawn, en fait, le mec il va mettre un coup, quoi. Clairement. C'est juste sac à merde. C'est quoi? Ça se mange la Pixel Ward? La Pixel War, excuse-moi. Je sais pas, non, je crois pas. C'est pas un truc qui se mange. Essayer de le die. En fait, le problème c'est que je faut que j'arrive à le. En fait, faut que j'arrive à le tuer sans qu'il tombe. En fait, j'ai créé Orochimaru. Ah, quand même. Ah, quand même, le mec il pèse quoi. En fait, tu voulais tester si sur PC tu pouvais jouer avec. Enfin, sur PS4 tu pouvais jouer avec des gens PC, c'est ça? C'est ça que tu voulais tester? Ah, je déteste quand ils font ça. Non! Tombe pas! Putain, mais c'est un. C'est un cancer, ces mecs là. Ça serait bien, ouais, j'avoue. À test. Si tu veux, je passe vite fait ces zones cancer là. Et si tu veux, on teste. Allez, bonjour à toi. Et bim. Et bim.
Allez, je suis sa cornemuse, ce gros gars là. À ce gros tas de merde. Hop. Ah, tu veux devenir chaud et tout. Ouais. Moi, tu sais, mais moi, je suis pas, je suis plus très chaud en vrai. C'est quand j'ai joué au début à Nio que j'étais j'étais super chaud de ouf là. Et, enfin, en même temps, je joue aussi une arme qui me manque en fait, clairement. C'était mon arme de cœur qui s'appelle les Tonfa. Et franchement, les Tonfa, mec, c'est l'avenir quoi. C'est juste l'avenir de Nio quoi, tu vois. C'est. Bah, c'est les Tonfa quoi. Y a rien d'autre à dire quoi, les Tonfa quoi. Voilà. Ça dégage. J'essaie de looter en même temps les armes cancer. Mon amour. Ah quand même. Mon amour. Mi amore. J'ai eu mon amour. Mon amour. Avec sa vieille tête. Donc là il y a des putains de Maya la fourmi. Oh putain les bâtards. Oh ce vieux OS. Sérieux là? Vous êtes sérieux le OS que je me suis mangé là? Seriously? Mais non, c'est pas Charlie, ça, on est d'accord. Franchement, ce genre d'OS, ça devrait même pas exister. Hein. Mec, j'étais full buff et tout. Le mec, il vient, il dit je suis une fourmi. Et boum, il one shot. Ok, bonjour, enchanté. Tu es une fourmi quand même. Allez, pute. Oh putain. Ah, j'en peux plus, JPP. Non, après, franchement, si je peux jouer avec toi, moi ça me dérange pas en vrai. C'est vrai que en plus je te l'avais proposé un jour, donc si en plus on peut jouer à New, en vrai, moi ça me dérange pas. Surtout qu'après, au final, ce jeu-là, on a fait un peu le tour, hein, mais. Mais bon, j'aime bien y jouer! Qu'est-ce que je viens de faire là? Quelqu'un peut me dire? Quelqu'un peut me dire ce que je viens de faire, s'il vous plaît? Je crois que j'ai fermé les yeux pendant que je faisais cette action. Oh putain, mais sérieusement quoi. Please. 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 Après, il y a aussi un jeu qui me retenterait bien là. C'est peut-être me refaire Dark Souls 3 là. Ah, ce vu qu'il n'y a pas de VOD en fait en vrai. Potable, digne de ce nom. Ça serait bien de se refaire un petit Dark Souls 3 quoi, tu vois. Histoire 2. Alors attendez, du coup. On va essayer de lui mettre la Fatal Foudre. Ah d'accord, excusez-vous maître. Donc il y a un cancer qui essaie de me viser, je crois. T'as toujours pas Dark Souls 3? Ouais, c'est triste. Hein. J'avoue que c'est vachement triste ce qui t'arrive. Ah ouais? De surge? Ouais, je sais pas trop mon style en vrai. Alors pour éviter que ce gros tas il tombe, je pense que le mieux ça serait de lui spammer la foudre dans sa race. C'est moi ou son attaque est complètement bourrée.
tentative. Ouh. Ouh. Ok. Elle, on le bute. GG all. Ah. Turban de l'émissaire. Qu'est-ce que ça donne cette merde en vrai? Montre la puissance des compétences liées aux bulles. Ah quand même. Ah ouais, t'as l'air con, mais au final, ça mérite tes bubules, quoi. Ah. Fais attention, pas pour tomber. Putain, mais il va arrêter de bouger comme ça, ce con. Bah ça dépend en fait ton type de gameplay en vrai. Tout ce qu'il faut savoir c'est qu'au départ, en termes de build, t'auras pas beaucoup de d'options en fait. La première partie c'est plus tu subis en fait, tu vois. On va dire que c'est ça ta première option, c'est d'abord subir le jeu. Et ensuite une fois que t'as au moins fini le jeu une fois, bah c'est le jeu qui te subit en fait, clairement. Après, si t'as besoin de guide assez complet, si je dis pas de bêtises, sur ma chaîne YouTube, tu tapes tuto Nio. Et normalement, je mets des petits tips justement par rapport au jeu. Comment optimiser les armes, etc. En fait, c'est simple, c'est un jeu où si tu prends le temps, en fait, de bien t'optimiser, etc. Donc en fait le plus dur au départ c'est d'optimiser déjà un build. Voilà, tu prends sur un build avec une arme etc que tu te prédéfinis toi-même. Donc selon la posture que tu joues hein, bien sûr. Et une fois que ça c'est fait. Oh putain le bâtard. Il m'a tué. Et une fois que c'est fait. Du coup après t'es plutôt bien. Une fois d'après t'es plutôt bien. Mais après le plus dur c'est de le monter en fait. Ça c'est vraiment le plus dur. Et ce que je conseillais normalement à faire, c'est entre tous les 20 levels, c'est de recréer un stuff complet en fait. Généralement. Après ça dépend de ton confort. Si tu prends pas beaucoup de dégâts, tu peux aller jusqu'à 30 levels d'écart. Parce que l'essentiel en fait dans Nio, ben, c'est pas non plus de prendre le moins de dégâts possible, c'est en fait taper le plus fort possible pour tuer vite le monstre. Un peu comme Nio, hein. Nio, j'allais dire. Un peu comme Dark Souls, mais à part que dans Dark Souls, ben, t'as pas de moyens aussi broken que dans Nio. En fait. Nio, t'as vraiment des moyens broken de jouer. Putain, le bâtard, bâtard, bâtard. Putain, en plus, j'avais pas bu la popo, je crois. J'avais pas bu ma popote en plus, c'est trop chaud. Mais après, ce qu'il faut vraiment que tu choisisses au départ, c'est ton arme en fait. Malgré qu'au final, bah, j'ai testé beaucoup d'armes. Et je trouve que même le katana au final n'est pas si ouf que ça en fait, tu vois. C'est ce que je teste avec Fenrir. Et au final, bon bah super, je me fais OS. Super, hein, franchement, pas mal. Pas dégueu, mec, j'arrive, hop, OS. Mais putain, mais vous êtes sérieux les mecs, quoi, putain. Non mais sérieux les cancers, quoi, please. Au moins l'avantage de ma popote, c'est qu'au moins je perds pas mes âmes, quoi. Mais bon, ça commence un peu à me gonfler, voyez ce que je veux dire. Oh putain, elle est téléguidée de ouf là. Regardez ça comment c'est téléguidé de ouf les bubules. Hein. C'est violent. Hein. Ici en fait ça te force de respecter en fait les mobs qui font des bubules quoi. Franchement.
ils imposent un peu leur respect, quoi. Ils disent respecte-moi, moi j'envoie des bubules. Vous voyez ce que je veux dire? Merci dans ma gueule. Ok. Hop, voilà. Moi, ce qui manque sur Elden Ring pour pas mourir souvent, c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire la patience, en fait. Je suis pas patient. Ah, le bâtard! Ah! Bah, tu sais, c'est... Sans joke, c'était mon premier but, non, ouais. J'ai fait l'intégralité. J'ai fait 260 heures de jeu avec ce but-là, en fait. J'ai fait glaive, tonfa. Même si, au final, je faisais plus tonfa que glaive. Mais, mais voilà. Tonfa, franchement, c'est une arme overcheatée de ouf, quoi. Quand tu sais l'utiliser... En fait, elle fait pas des lourds dégâts, mais quand t'as bien pris les spécifications du tonfa, bah t'enchaînes comme Jaja en fait, clairement. Ok. Hop. Vous voyez, rien que ça, rien que d'attendre avant de... Oh, attendez. Il y a moyen de... Ouais. Il y a juste moyen de me buff avant que le cancer me casse les pieds. Comme ceci. Voilà, c'est bon. Donc là, on boit une petite popote. Ah, c'est bon, c'était fait. Ok. Allez, let's go. Ah putain, mais... Ah, à chaque fois je me fais avoir, hein. C'est un truc de malade. Je me jette pile dans son attaque, quoi. Je me dis, tiens, il va faire comme les autres, il va tirer en l'air. Non. Chaque fois il fait ça, puis après il baisse sa tête et MOS. Il se bim dans mes fesses. Et ça me gonfle. Putain, mais sérieusement, quoi. Il est en train de me victimiser, ce con là. Oh putain! Allez, là cette fois-ci on passe, les gens. Allez! Envoyez-moi de la force, s'il vous plaît, comme ça après je peux aller. On changera de jeu pour aller sur New. Là. Allez. Faut au moins que je passe ces zones cancer là. Allez, on attend. Et hop, une petite esquive. Parfait. Allez. Non, 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 je suis désolé. Non, non, je suis pas d'accord. C'est pas légal ce que tu fais là. Je l'ai déjà dit souvent, le téléguidé, c'est de la merde. Alors. Voilà, mais tant qu'il y a tes souhaits, on doit le taquer. Non mais non mais. Vas-y, c'est bon. Faut le skipper en fait, hein. Clairement lui, faut le skip. Hein. C'est bon, il me gonfle, hein. Clairement. Le mec, c'est Dieu, quoi. Regardez-moi ça, là. Le mec, il se la pète avec sa vieille tête, là, de morue, là. Putain, c'est pas possible ça. Avec son tête de morue. Monter de niveau. Qu'est-ce qu'on peut monter de moche? Un peu d'ésotérisme. Allez, c'est parti. Bon, là, cette fois-ci, on fait pas le combat. J'abandonne. J'ai trouvé plus fort que moi. Bon, par contre, j'ai pas pris le chemin le plus court. Mais bon, c'est pas grave.
Oh putain. Hop. Allez, souhaitez-moi mauvaise chance. Cette fois-ci, c'est la bonne. Yes, c'est bon, ça c'est fait déjà. Donc toi, tu dégages. Ok, parfait. Donc comme je dis souvent, parfois il ne faut pas hésiter à fuir. À fuir. C'est par là? Ouais, c'est par là. Ah, je fuis littéralement. Littéralement, j'ai fui. J'ai fui comme un lâche. Et voilà. Mais tant qu'on a le feu, on est serein, comme William. Oui, je sais, j'ai osé, désolé. Désolé, c'était trop simple. I'm sorry, j'ai succombé. J'ai succombé à ça. I'm sorry, it's not beautiful for you, for me. Tout ça, quoi. Bon, allez, on se le tente une dernière fois. Et si je meurs, c'est pas grave au final, parce que, bon, on n'a pas beaucoup d'âmes sur nous. Il était où, le con? Ah bah. Impossible Blue de revenir aller là quoi, sérieux. Bon. Du coup, ça fait combien de temps qu'on se fait farm là? Oh, ça fait que 22 minutes. Bon. Bon, du coup, on va tester vite fait ton petit truc là. Merde. Donc par contre, est-ce que t'as bien accroché ton jeu à Epic Games? Ça c'est très important. Et tu veux pas me le dire avant que je quitte le jeu? Hein? Là, hein? Tu pouvais pas le dire? Non? Non? Toi pas dire? Hein? Oh putain. Bon bah du coup on relance Elden Ring, hein. Tant pis, hein. Tant pis. Allez, on relance. Ah bah bravo. Je te félicite même pas. Même pas je te féliciterai, tu vois. Tu mérites même pas. Je déconne, bien sûr. Oh putain. Allez, on y rego. On y rego. Oh, je suis fatigué, sa mère. J'arrive pas à dormir, ça me saoule. Quoi. J'arrive à faire des heures de sommeil, mais pas assez en fait, hein, clairement. En fait, il n'y a pas assez d'une nuit en fait pour dormir. Faudrait plus qu'une nuit pour dormir. Ça serait bien. Genre une journée de dodo, voyez. Une journée de travail, une journée de dodo. Ouais, faut lier ton compte, ouais, absolument. C'est une obligation formelle. C'est pas négociable, quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon, du coup, on va changer d'arme pour farmer l'autre noob à la con. Donc, hop, on va prendre la petite dague. Thank you.
Bah oui, je taffe la journée. Sale fou. Bah oui, hein. Sinon je streamerais toute la journée, t'es fou quoi. Je faisais ça quand j'étais au CHUMDU. Tu dois lier ton compte en... Je sais plus comment tu fais en fait. Je crois que c'est quand t'es dans les options. Merde. Options et après t'as le crossplay normalement. Autoriser les autres plateformes ou je sais pas quoi là. Et en fait il va te demander de te lier à Epic Game normalement. Ok, on est bon. Allez. Oh mais putain! Quel bolos! Oh, c'est triste. C'est triste d'être aussi nul. Allez, on y retourne. Ok. Bon! À tes souhaits. Non! Pas. Yes! Allez, dépêche-toi! Putain, merde! C'est pas grave, au moins en tempo. Allez. Hop, le gros tas, ça dégage. Tu trouves pas? C'est bizarre ton truc, hein. Non, c'est dans tes options. Dans le petit rouage. Ah oui, in-game hein. Tu crois que c'est où? Enfin, in-game, c'est-à-dire quand t'as lancé le jeu quoi. Mais d'accord. Oh, putain. À ce qui paraît, il faut lancer le jeu, ouais. Merde. Ce gros tas là. Putain, mais j'arrive pas à le front stab ce gros tas là. Bon, c'est pas grave, après on le farm. Hein. Putain, mais c'est un truc de malade, hein. Non, dans le menu. Tu vas me faire lancer le jeu. Tu vas me forcer à lancer le jeu. Now, 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 now. It's not beautiful, my friends. It's not beautiful. Yes, do you want? Ouais, toi, le tandem. Bon, attends.
Hop. Un petit Alt F4, c'est plus rapide. Alt F4, c'est toujours plus rapide. C'est rapide, simple, efficace et ça va vite. Tu trouves pas? Tu vois ce que tu mérites? T'étais occupé à manger. Est-ce que tu serais pas en train de te chercher des excuses, Tenten, parce que t'es en retard? No. It's not beautiful, my friend. It's not beautiful. It's not Charlie. Ok? Oh putain. Le fou, quoi. Deux secondes. Poste au couteau, ne te suicide pas tout de suite. Deux secondes, petit Enden. Faut que je teste avec Will que si on peut jouer en crossplay. Alors du coup, on va prendre le perso le plus HL. Je crois qu'il est à peine level 674. Hop. Alors. Donc du coup, fermez les yeux. Alors, normalement, tu vas dans les options là. Tu vas dans paramètres en ligne. Et là-dedans, tu as matchmaking avec les joueurs Epic Game, héritage ou non héritage. Do you like it? Yes. Yes. Après, ça tombe, ça existe pas. Hein. Ça tombe, vous l'avez pas sur PS4, c'est dur que du coup, il n'y a pas de crossplay. Hein. Eh ouais. Eh oui, tout à fait. Tenden doit finir Elden Ring. Il doit m'envoyer un screen où il tue. Et il danse devant le boss, en fait. Alors, est-ce que t'as cette option-là dans les paramètres? T'as pas? Les paramètres actuels ne vous permettent pas de jouer qu'avec les personnes ayant activé le crossplay avec la version Epic Store. De plus, la recherche d'amis avec lequel vous jouez sera fait sur la base du compte Epic Game. T'as pas ça? Bah du coup, c'est-à-dire que tu peux pas jouer en fait avec moi. Et ça, du coup, bah tout ce que t'as à dire et à faire, bah c'est pleurer. Voilà, c'est tout ce que t'as à faire. Quoi. Là, tu peux pleurer, c'est tout. Allez, va pleurer. Et ouais, du coup, ouais, tu ne peux pas. C'est triste, hein. Chè. Oh, il y a bien chè. Achat. Achat. Et ouais, du coup voilà. Donc ça, ce fut mon perso, voilà. Voilà, c'est ça mon perso. Du coup, je jouais ton fa. Lourd, hein? Ouais, j'avoue. C'était du lourd. Et du coup, magie Omnio, level 70. Ninja, 70. Bon, ton fa, 59. J'ai aussi essayé les haches. Le glaive, level 18. Il n'y a pas beaucoup monté de glaive d'ailleurs. Mais voilà. Du coup, 150 de courage, 200 de dextérité, 200 de magie. La base quoi en fait. Posture moyenne. Je joue posture moyenne du coup. Et en fait, je jouais avec la chaîne des cieux.
Et en fait, en tant qu'esprit, je jouais. Alors, attends, que je dise pas de bêtises. Du coup, je jouais Kurama Tengu. Et l'autre, c'était. C'était Shinroku. Parce que du coup, drain, attaque, attaque fort, etc. Bonus anima, recharge anima, indemne. Et du coup, en fait, mon stuff était beaucoup sur la récupération de. En fait, c'était un peu un mage, en fait. Un mage tonfa. Et en gros, ben, je récupérais à mort de l'anima en 2 ou 3 coups. Et en fait, à chaque fois, je leur balançais des gros sorts dans la gueule, quoi. Tu vois. Et au final, ben, les ennemis passaient leur vie à terre, en fait, tout simplement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et après, pour celui-ci, là. Donc, celui-ci, ça permet, en fait, de faire plus de dégâts. Purifie ennemi. Ouais. En gros, les yokai font plus de dégâts quand ils purifient, en fait. Mais après, il y avait différents builds. Hein. Sinon, je jouais aussi celui-ci, qui est plutôt pas mal au début de partie. C'est Mazaru. En fait, le Mazaru, en fait, quand tu fais des triangles, bah, ça applique en fait la pureté. Et en fait, la pureté, ça permet de purifier l'ennemi. Mais entre autres, ça fait aussi des gros dégâts de ki, en fait. La grosse barre violette. Donc voilà. Voilà, voilà. Voilà à peu près tout. Alors, on fait quoi, les gens? Est-ce qu'on va sur. Bah, au final, on peut pas jouer avec Wilk. Donc, ouais, au final, je me serais dit sinon, bah, fuck off, on refait un perso, tu vois. Mais non, là, franchement. Ça dégage, quoi. Hein, on est d'accord. Donc voilà, donc du coup tu peux pas crossplay. Je te dis, c'est triste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que j'ai à dire, c'est que c'est triste. Ah, attendez, j'ai juste actualisé la webcam, j'ai l'impression qu'elle lagouille un peu. Bah c'est bon, elle lagouille moins. Voilà. Bah après, il n'y a pas grand chose en jeu crossplay en vrai. Hein. Franchement. Franchement, jeu crossplay, tu les comptes sur les doigts de la main, quoi. Tellement qu'il n'y en a pas, quoi. Alors. Par contre, sur Xbox, par contre, il y a beaucoup de jeux crossplay. Xbox, PC, ils sont très, très crossplay. Bon, mais en même temps, c'est Microsoft, hein, j'ai envie de te dire. Voilà, quoi. Je vais taper une petite recherche là vite fait. Ouais, moi aussi je le sub, de ouf. En vrai, j'étais content d'y jouer là. Mais là, non, malheureusement. Alors, 40 jeux crossplay à essayer avec vos amis. Top jeu des jeux PC, PS4. Ah. Toi, tu dégages, s'il te plaît, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a de moche? Call of Duty. Bon, ça c'est mort. Apex, c'est mort. Black 4 Blood. Ouais, bof. Among Us. Oh là là, Call of, ok. Dauntless, ouais, bof. Destiny. Farming Simulator, ah, on peut faire du Farming Simulator. Non, je déconne. faudrait me payer pour ça. Fortnite, Genshin Impact. Grid Legend. Ah, Grid Legend, c'est pas un jeu de voiture, ça. Ah, si. Space, Need for Speed Heat, Nerf Legend, No Man's Sky, Paladin, Pokémon Unit, ouais, ouais. Switch Mobile, ouais, non, c'est de la merde. Quake, Real Royal, Raider Republic, Rocket League, ouais, bof, Secret Neighbor, Smite, Super Animal, hein, Super Animal Royal, c'est quoi cette connerie? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oula! Qu'est-ce que c'est que ça? Ça existe vraiment? Oula! Oula! Bah écoute, il faut déjà que je trouve. Hein. Il faut déjà qu'on trouve un jeu bien, quoi. Parce que là, clairement. Franchement, là, il n'y a que dalle. Hein. En plus, Need for Speed Heat, je l'ai fait il n'y a pas longtemps.
l'ai torché il y a pas longtemps, le petit Need for Speed Heat. C'est quoi ça, Rock Company? La présentation a l'air badass, mais multijoueur, free to play. Ah bon? Ah non, mais ça va être un battle royale, non? Ah ouais, c'est du battle royale. Triste. Un RPG, apparemment. Apparemment, il y a pas. Hein. Alors, Among Us, Apex Legends. Bon là là, bon, je crois qu'ils vont mettre les mêmes en image en fait, c'est ça. Crackdown, Dauntless, Dead by Daylight, Dirt 5, Dragon Quest. Bon ça par contre c'est totalement faux, hein. Ne faites pas l'erreur, d'accord. C'est mode multijoueur, c'est de la merde. C'est en gros tu construis ta maison avec ton pote, c'est tout. Donc ne faites pas l'erreur s'il vous plaît. Gear 5. Ah oui, Xbox, ouais. Genshin Impact, ouais non pas ouf. Ouais non, Hyperspace, Minecraft, Minecraft non. Mortal Kombat, Need for Speed Heat, Need for Speed Pursuit Remaster, No Man's Sky, Outriders. Bon c'est vrai que Outriders, bon, n'en parle pas, je l'ai saigné sa race, hein, clairement. Paladin, Player Battleground, Power Ranger, Roblox, Rocket Arena, Rocket League, Sea of Thieves, Smite, Star Wars, Street Fighter, Super Mega Ball, ouais, Ultimate Chicken House. Bon, celui-ci, il est à peu près potable. World War Z, mais le problème, c'est que c'est pas très long. Ark, il est pas cross-platform, mec. Même si au final, s'ils arrivent en fait à faire des serveurs qui sont à la fois accessibles par les PC et les PS4, ce serait possible, tu vois. Mais non, ils se sont dit non, ça sert à rien en fait. Alors du coup, Halo, Killer Instinct. C'est quoi ça, Killer Instinct? Bah alors quand tu veux. Bon, ça a l'air d'être un jeu de combat. Ah ouais, mais non. Du coup, il parle de l'Xbox, là. Parce qu'en fait, il y a le crossplay Xbox, ouais, non. Ark. Attends, Ark, attends. Ah oui, bah ouais, c'est ça, regarde, pareil. À propos du crossplay, grâce au Xbox Playware, vous ne devez pas acheter Ark qu'une seule fois et vous pouvez y jouer ensuite sur PC et Xbox One. Vous pouvez également jouer sur PC avec des joueurs via la console, de la store, la version Steam reste à l'écart et ne dispose de fonction crossplay. Donc en gros, il faut absolument que ça soit la version PC Microsoft et PC, enfin Xbox. Quoi. Non, Elden Ring non plus, c'est pas crossplay non. Fighter, Aragami, ouais non pareil. Hein. Seule la PS4 sort du lot. Putain les bâtards. Oh ah, là 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 là, comment ils mettent cher les enculés. Ils mettent un petit coup de tacle comme ça là. Hop là, hop là, un petit tacle. Et hop, ça dégage la PS4. Oh putain les salauds. The Man's Sky, Fortnite, Apex, Astroneer, Portal 2, Minecraft. Et encore Minecraft, c'est pareil, je crois que c'est crossplay que Xbox, donc bon. Ouais, non, il y a vraiment que dalle. Hein.
Final Fantasy, ouais, mais le problème c'est que c'est abonnement. Et quand tu travailles, c'est de l'argent gâché en vrai. Je trouve, personnellement. Destiny c'était un bon jeu, Destiny 2, mais le problème c'est qu'il est devenu assisté du cul, en fait. Ça c'est le seul problème. C'est que maintenant en fait tu commences le level max et du coup tu roules sur la campagne. Donc ça c'est le seul bémol de ce jeu. Ouais non, il y a vraiment que dalle, hein. Ouais non, il y a rien. Il y a que dalle. C'est le néant. C'est le néant. Bon après il y a des... Oh, putain, excusez-moi. Après il y a des jeux qui sont pas durs, hein. Il y a des jeux qui sont pas durs à tourner. Genre par exemple, t'as des jeux pas très puissants qui sont faciles à tourner, quoi. Hop là. Allez. Bon du coup, j'essaie de dropper une arme de merde. Mais le problème, c'est que la route à chaque fois, elle est super longue, hein. Tant pis, ouais. Au moins, j'aurais pas... J'aurais essayé, quoi, on va dire. Allez. Même Naraka, c'est dommage qu'il soit pas sur PS4, tu vois. Parce que s'ils auraient mis Naraka en coop, en vrai, un petit Naraka... J'irai pas non quoi. C'est le seul Battle Royale qui m'intéresse un minimum, tu vois. Mais le problème c'est que j'ai pas d'amis. Donc pas d'amis est égal pas de Naraka. Oh putain. Autant se laisser mourir. Oui. C'est ça, tout à fait. Autant se laisser die quoi. On est d'accord. On est d'accord qu'on se laisse die. Die, 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 die. Allez. Hey. Hey, mais attendez, il n'y avait pas The Division normalement qui était crossplay? Non, je crois pas, non, en fait. Non, non, j'ai rien dit. Non, The Division, il n'est pas crossplay, je crois. Quoique. Quoique, quoique. Je sais pas. Ça me dit quelque chose, mais d'un autre côté, non, en fait. Pas du tout. Je sais pas, franchement je saurais pas vous dire. Parce que The Division 1 et 2, au final c'est plutôt potable. Hein. Surtout le 2. Le 2 il est plutôt potable en vrai. Ça reste un jeu de flingue, mais. Outriders, ouais, mais. On va dire que tu fais vite le tour en fait, ça le problème du jeu quoi. C'est en fait une fois que t'as fini la campagne, ça reste juste du. Bah du farming de 5 ou 6 maps. Donc. Après ils ont mis un DLC gratos, hein, mais. En fait, le problème c'est qu'une fois que. Une fois que t'as fini le jeu. Tu vois, t'as pas trop envie de retourner pour 3 maps supplémentaires, tu vois ce que je veux dire. Oula. Non, après c'est dommage parce que Outriders il y avait un bon potentiel, mais après bon, ils ont commencé en fait à nerf les personnages de par-ci par-là et c'est comme tous les jeux. Hein. Au début, Borderlands 3, moi j'avais super bien kiffé, et après ils sont mis à nerfer tous les personnages sauf le bon. Donc, et comme par hasard, à chaque fois c'est les personnages que je joue, tu vois, toujours les personnages que je joue qui sont nerfs. Et du coup, au bout d'un moment, t'en as marre en fait. Tu dis ouais, bon, ben. Voilà quoi. Alors qu'à côté, t'avais d'autres persos qui étaient beaucoup plus cheatés, tu vois. Mais ils y touchaient pas. Ouais. Donc, bon, au bout d'un moment, tu dis ouais, bon. C'est un signe du destin, quoi. Il ne faut pas y jouer, ce jeu.
Oula. Ok. Putain, j'ai même pas droppé l'arme, quoi. Je suis dégueu. Putain. Et en plus, c'est une zone chiante, quoi. Putain, ils avaient... y a pas d'autres mobs moins chiants à aller farmer? Plus accessible? Je crois pas, hein. Je crois qu'il y a que deux, hein. Putain, c'est relou, hein. Seul problème, c'est que c'est des armes qui peuvent être assez intéressantes. En termes de... Bah, en termes de foi, hein, clairement. C'est clairement des bonnes armes de foi, quoi, hein, clairement. Les armes bubule, là. Attaque bubule. Ok, elle est mon cousin, quoi. Ouais, franchement, ce division, il est super bien, quoi. Surtout que maintenant, je pense que toute la communauté cancer... cheater, etc. Ils sont partis, tu vois. Donc bon. Le seul truc qui est chiant, c'est que le jeu te force à aller dans la zone PVP, la zone comment ça s'appelle, la dead zone, je sais pas quoi là. La, voilà. Mais bon, après entre potes, en vrai, pourquoi pas, tu vois. Mais bon. Oh putain, mais Taras quoi. Putain, je suis parti trop loin en parlant et je me suis fait latter le fion. Littéralement latter le fion. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais je crois pas qu'il est crossplay, hein, de Division 2. Mais bon, après, c'est un bon jeu, certes. C'est clair. Tout, 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 tout. Même The Crew, je crois qu'il est pas crossplay. The Crew, il est bien, pourtant. Bah après, il y a Horizon, mais Horizon, Horizon 4, là. Il est crossplay mais que Xbox quoi, donc bon. Ouais, c'est toujours ça le problème quoi. C'est qu'il n'y a pas grand chose en crossplay quoi. Ouais, bah écoute, vas-y hein. Fais-toi plaisir. Hein. Mais franchement ouais, The Division il est pas mal. Hein. Si t'aimes bien un peu les jeux de flingues et tout, franchement c'est pas mal. Hop là, ça dégage. Hop. Alors, bonjour tas de merde. Putain, une tentative hein, avec sa vieille tête là. Ok. Toujours pas. Bon bah c'est le dernier run, hein, je vous le dis direct. J'ai pas la faute de les farmer toute la journée. Hein. Clairement, ils sont tellement cancer de merde. Merde. Putain, c'est tanky cette merde, hein. Putain. Oh là là là. Vous imaginez être en dessous là de ce gros tas de merde? Ça devrait faire mal, hein. Merde. Bon bah voilà, moi je fais de la merde, excusez-vous. Je reviens monsieur. Ah putain, en plus je vois une potion qu'il faut pas. Et toujours rien. Bon. Bah tant pis, le ballon de baudruche ça dégage. Hein. On est d'accord. Allez, on y va. Here we go. Alors, qu'est-ce qu'il y a de moche là-bas? On va voir ça, hein. Alors, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose. Ah, une cendre de guerre. Ouais, bon.
voyez la joie que ça me procure, quoi. Bon. C'est-à-dire aucune. Nous sommes d'accord. Oh putain. Et ouais. Non, après, franchement, ouais, si t'as un PC minimum performant, j'ai envie de te dire, voilà, quoi. Il y a moyen de faire des choses, quoi. Après, il y a aussi d'autres alternatives, hein. Par exemple, il y a des jeux que je voulais. En fait, il y a des systèmes de jeux que j'ai toujours voulu faire avec les gens là, qui pourraient être sympas. C'est en fait les jeux où en fait les gens peuvent te rejoindre avec n'importe quel PC, tu vois. Donc en gros, ce qui tourne le jeu, c'est ma connexion et mon PC, en fait, tu vois. Chose qui était assez compliquée avant parce que j'étais qu'avec un seul PC. Et du coup, ben ça ramait de ouf, du coup. Hein. Et là, vu que maintenant j'ai deux PC. Oula, bonjour. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oulala. Il y a des gens bizarres ici. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, nous? Il y a un chien, quoi, lui? Je sais pas d'où il vient. Je connais ni d'Adam, ni de Ève. Il vient me casser les pieds. Voilà, ça dégage. Ça dégage. Ça va pas le buter là. Voilà, merci. Alors. Coucou. Oh putain, les blagues. Regardez, là, il faut faire. Hop. Sac à merde. C'est tout ce que j'avais dit. Sac à merde. Donc là on est avec full drop là en fait en vrai. Hein. Ouais on est en full drop. Hein. On s'en fout de... Oh putain le faux mouvement qu'il essaie de nous faire là. Ah il me l'a mis. Ah oh, putain je déteste ces coups là parce que tu as tendance à spammer les dodges pour essayer d'esquiver mais au final c'est pas la bonne méthode quoi. Ah. Triste vie. Ok. Here we go. Coucou. Putain, mais le mec il lui reste un PV quoi, c'est vieille blague quoi. Hop, allez ça dégage. Hop. Putain! J'ai vu les sacs à merde, toi. Hop! Ok. Après, Brawlhalla, c'est pas dégueu, mais le problème, c'est que c'est un jeu PVP, quoi. C'est un peu comme. Comment il s'appelle là? Merde, bah Mario Bros là, non pas Mario Bros. Comment il s'appelle ce jeu là? Le truc de Nintendo là, je sais plus comment il s'appelle ce jeu là. Bon, comme quoi ça m'a pas marqué. Hein. Hop. Hein. Mario Brawl ou je sais pas quoi là, enfin. Ça, sans importance comme truc, clairement. Alors. Ah, c'est Smash Bros Melee, voilà, c'est ça le nom du jeu. C'est Smash Bros Melee. Après, c'est pareil, hein, ça devient après un jeu compétitif, donc bon. L'importance n'est pas non plus oufissime, quoi, malheureusement. Coucou! Ah, mais d'accord! Excusez-moi, maître, j'avais pas vu que c'était vous aussi. Médor, Médor, Médor. Médor, Médor, Médor. Oh, ça passe à travers les murs. Voilà, eux aussi par contre. Non mais... S'il vous plaît, monsieur. Respectez-moi, quoi.
Ok. Hop. Vous êtes prêts? Et bim! Ah d'accord, j'ai rien dit. J'ai rien dit, monsieur. Il n'a pas voulu s'en prendre plein le derrière. T'aimes bien t'épiler les têtes de cul? Bah en même temps. En même temps, qui n'aime pas tuer? Les gueules de cul. Ok. Excusez-moi, maître, j'avais pas vu que c'était vous. Vous me l'auriez dit, je serais parti quoi. Si je l'aurais su, l'eusse-tu cru. Puis voilà quoi. Hein, oh l'enfoiré quoi. Il m'a farmé ma race quoi. Encore un petit OS quoi qui passe. Hein. C'est quand même abusé à quel point on prend des OS hein, sur ce jeu, sur perso là. Hein. On fait que prendre des OS en vrai. Hein. J'ai jamais eu ce problème avec le mage. Je crois que c'est l'armure qui fait ça. Mon armure est trop légère. Ou pas assez. Ou choix. Oula, calme-toi, poteau. There we go. Ça dégage. Ok. Oh, c'est ce que ça m'énerve quand je tape à côté. Hop. Oulolo. Ok. En plus ces mecs c'est des vrais sacs à PV quand même. Hein. Nous sommes d'accord. Je crois que ça servait à rien en fait de les buter ces sacs à merde, non? Oula. Ouais, je crois que ça sert à rien. Ah, poudre du Miranda, ouais, non, même pas. Hop. Ok. Bah voilà, au calme. Ah, il y avait un autre objet là. Apparemment. Ok. Allez, on y va. Here we go. Ah, ça nous permet en fait d'être derrière le noob. Coucou. Tu veux voir ma dague? Allez, je vais vous dire ma dague. Oulala. T'es un petit coutinou, toi. Coucou. Tu veux voir ma foudre? Cochine. Oula. Calmez-vous, monsieur. Oula. Ah bah. Ah mais sérieux là, vas-y, vous me gonflez les mecs quoi. Putain, tu fais tout le boulot, tout le chemin, et au final pour te faire OS quoi. Non mais c'est bon, on va le rusher. Clairement. Il va se faire rusher, hein, puis c'est tout, il va rien comprendre le jeu. Tant pis. Hein. Franchement, il n'y a que ça à faire. Oh putain, j'ai perdu mon âme. Oh mon dieu. Pourtant j'ai bu ma popote, non? Je sais plus. Ouais, ça dégage. Allez, hop. Tac. Touk touk touk. Allez monsieur, ça dégage, s'il vous plaît. Putain mais. Et saloperie. Oh, cette vieille tête de champignon qui body block là. Oh putain. Avec sa vieille tête là. Oh putain. Oh putain, qu'est-ce que ça me gonfle. Mec il sait pas ce qu'il fout là, mais il est là. Il reste planté là. C'est ça le pire. Le mec il sait pas quoi foutre ici, mais il reste planté. Et ça, ça m'agace. Bon allez, tant pis, je tue lui. Et ouais.
Oh, mais attendez, il y a un raccourci là, non? Bah ouais, attendez ici, non, hop. Regardez, il y a un petit raccourci là. Ah ouais. Ok, ça dégage. Hop, on fait un petit backstab vite fait ou pas? Ouais, d'accord, j'ai rien dit. Excusez-moi, maître, j'ai rien vu. Coucou! Ok, donc là on est bon. Allez, on envoie de la foudre, sa mère. Et sbim! Allez, ça dégage, s'il vous plaît, monsieur. Voilà. Avec sa tête de fion, il dégage. Voilà, c'est bien. Retourne chez ta maman. Et dégage. Ah non, on peut pas mettre tous les sacs en même temps. C'est soit les tas de mer, soit les têtes de nœuds, voilà quoi. Mais on peut pas tout mélanger quoi. On mélange pas les torchons, les serviettes quoi. Ça peut pas être des phases de P et des phases de 2 quoi. Il faut un minimum quand même de RP quoi. Ah, excusez-moi monsieur. C'était vous? Ah, au revoir monsieur. Pierre sombre. Ah, pierre de forge sombre. C'est obscur tout ça. Obscur, obscur monde. Je suis dans l'obscurité. La lumière éteinte. Bon allez. Arrêtons de dire de la merde s'il vous plaît les gens, franchement là-haut. C'est pas sérieux ça. Alors. Ah oui d'accord. Les mecs sont comme ça quoi. Ils envoient des gros darvenins là. Au calme. Au calme, tranquille. Tout bien. Ah, mais. C'est... Ah, bah non, j'ai rien dit. Non, je vais y dire quelque chose, mais non, en fait. J'allais dire si, il y a un jeu crossplay, mais. Mais en fait, c'est PS5, en fait, pas PS4. C'était Temtem. C'est un genre de Pokémon. C'est un genre de Pokémon, mais en mieux. Enfin, en même temps, vous me direz. C'est vrai que c'est pas très compliqué d'être mieux que Pokémon. Et je vous l'accorderai. Tout à fait. Non mais franchement c'est vrai. C'est très très simple d'être mieux que Pokémon. C'est vrai qu'ils sont tellement tombés bas qu'au final, bon. C'est pas compliqué d'être plus haut quoi. Ah, un cancer. Ah, super, putain. Putain, avec sa vieille tête là. Oh putain. Ah là là, avec cette vieille tête de fion là, je vous jure. Il était une fois la tête de fion, tête de fion, tête de fion. Ah, putain, j'avais pas vu ma popote, tiens. Putain, il faut me faire penser les gens quand je bois pas ma potion là. Faut m'empêcher de ne pas boire ma potion quand même. Hein. Faut être un alcoolique anonyme dans ce jeu. L'alcoolisme, c'est bien. Ah, super. Bonjour. T'as de beaux yeux, tu sais. Un peu constipé, mais t'as de beaux yeux. Ah putain. On dirait un peu une tête d'apache, ce vieux con. Allez, donc du coup, hop, on revoit la petite popote. Allez, on y retourne. On n'a rien vu. Ah! Bah, ce fut rapide. Je vous l'avoue que ce run était assez rapide, franchement. Speedrun, une seconde. Franchement, pas dégueu. Oh putain. Quel con. Ok, donc ça dégage.
Bon, faut vite tuer lui là, parce que sinon le tronc de cancer il va me saouler là. Avec sa vieille lance là. Je préfère quand même le mage cancer. Voilà, c'est bon. Quitte à choisir sa drogue, autant choisir la magie. Alors, coucou. Ok. Oh, j'ai eu un champignon, les gens. Je hurle de plaisir. Non, je déconne. C'est une blague, bien sûr. Attention. Ne faites pas de bruit. Je vais fufu sa mère. Non, en fait, j'ai rien dit. Y'a pas de fufu. Hop. Ah! Super à la portée de la boule de feu, hein. Franchement. Fait pareil, mais en mieux, quoi. Ah! Mais pourquoi les boules de feu ils sont pourries dans ce jeu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait à la pyromancie quoi, sérieux? Et dire que c'était Gauthier dans Dark Souls 3. Putain de merde quoi. Tu roulais sur tout le monde avec le feu quoi. Du début à la fin du jeu tu dois rouler dessus. Littéralement. Même sans en roulant ta tête sur le clavier tu butais tout le monde. Hop. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça fait d'aller là? À part servir à rien. Ah. Ok. Bah justement ça sert juste à rien. Ok. Pourquoi pas. Donc ici on a une échelle. À quoi elle sert? Bah elle sert à rien. Ok. Bon. Bonne ambiance quoi. Merci. Merci de taper Crazy. Bande de sacra merde. Voilà, on est bien. Ah mais d'accord. Ah ouais. Ah je savais pas. Oh putain non. Donnez-moi une corde, s'il vous plaît. Faites un don de corde. Oh putain, j'en peux plus. Laissez-moi jouer. Je veux pas mourir. Je suis trop jeune. Bon, après, vous me direz, heureusement, je perds pas mes âmes. Et ouais, j'arrête pas de talber, de talber. C'est de Tan le Bay. Oui, oui. C'est de saté gravité quand même. Hein. Lâche pas la gravité, c'est cancer. Hein. Ah, mais d'accord. Il y a vraiment des gens bizarres hein, dans ce jeu. Ok. Par contre, je commence à me demander si vraiment le. Le mélange entre... merde. Oh merde. Donc je disais, le mélange entre la magie et la foi, elle est vraiment bien ou pas en fait. Je pense vraiment à me poser la question. Ouais quand même. Ça fait mal, monsieur. Vous faites mal, monsieur Gandalf. Monsieur Gandalf, vous êtes fort. Oula. Oula, oula. Oui, oui, oui. Calme-toi, poteau. Oh. Ah non, putain.
Ne faites pas ça chez vous, les gens. Ne faites pas des fails comme crazy, s'il vous plaît. Oh là, le coup de tête. Merci. Ok. Ouh. Putain. T'es sérieux, là? Vous venez de voir ce qu'il a fait, le monsieur, là? Le mec, il s'est relevé instant. Il a cassé toute son animation. Il a fait... Oh, bah non, en fait, je... Voilà, qu'est-ce que tu veux, toi? Ah bah super. Ils ont mis 10 ans, ces connards, à venir pour me farmer par derrière. Non mais... Sérieux quoi, putain. Oh là 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 là, c'est ça qui a merde. Putain, j'en peux plus quoi. Les mecs, c'est des putains de vicieux quoi. Ah merci, ça fait bien mal ça. Bon. Ah merci. Oh le bâtard. Mais... Ces mobs, c'est des putains de génies. Donnez-leur le statut qu'ils méritent, quoi, putain. Oh, j'en peux plus. Les mecs, ils font des mouvements, mais de génie, quoi, putain. Ils te jettent dans le vide, quoi, littéralement. Mais ouais, toujours... Au même endroit. Ok, je viens de me prendre une putain de rafale dans les dents. Parfait. Putain, c'est hallucinant la magie, comment ça fait des dégâts quand c'est pas nous qui l'utilisons. Quoi. Un abo? Quel abo? Un abonné? Tu veux venir te sacrifier? Te venir tanker à ma place? Abo! À moins que tu parles du Pokémon, abo, mais bon. Y'a pas d'abo ici. Hein. Y'a pas de abo! Abo! Et ça dégage. D'accord. Ah! J'en peux plus. J'en peux plus. J'ai envie de rage quit. Oh putain! Ils ont été mettre un trou quoi, putain! Non, j'ai pas envie de crier là. J'ai perdu espoir de crier. Oubliez tout espoir. L'espoir est parti. La déprime est en place. Je vais déprimer. On va faire de l'ASMR. Non, je déconne. Oh putain! C'est l'heure du ASMR. Ah là là là. Les jeunes, toujours. Bon. Hop. Alors. Ah! Bonjour. Crazy Knight, enchanté. Ah ouais, d'accord. C'est du beau spell. Non, mais j'avoue. C'est du beau spell. Bon, ça vaut pas le gospel, mais c'est du beau spell. Non, mais mec, tu vas être touché quand, là? Oh mon dieu. Oh, ça fait mal.
Pourquoi la magie fait si mal? Mais putain, en plus j'arrive pas à viser ce... Ah, ça me gonfle. Il me gonfle parce que j'arrive pas à le viser dans un angle comme ça, là, il m'énerve. Putain, voilà, 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 voilà. On se fait farmer, bordel de merde. Ah, mais vas-y, vas-y, c'est bon, je m'a gavé. Hop. Allez, c'est bon. Putain. Allez, hop. C'est bon, ça m'a gavé. Au bout d'un moment, c'est bon, là. J'ai ma dose. Allez. Bon. Merde. C'est pas ça que je voulais. C'est pas grave. Allez. Allez. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre au moins le feu. Le feu qui brûle. Non mais... Il a tenté, hein. Le mec. Il a tenté, il a tenté. Allez. Au revoir. Au revoir les mobs concerts. On se rappelle. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on monte comme statistique là? Parce que clairement... Ouais. On va finir par sombrer dans le... dans l'ésotérisme. Hein. On va devoir jouer des armes saignement. Comme par exemple la rivière de sang. Parce que bon, au final, elle tape aussi un peu feu. Hein. Ça serait RP. Le mec. Ouais, mais moi, tu sais, ma rivière de sang, ça tape le feu. Donc bon, voilà quoi. Du coup, c'est comme si on était un peu mage quoi. Un peu pyro quoi, vous voyez. Ah, d'accord, le mec il veut m'envoyer la sauce. Eh ouais, je sais, MDR. Ouais, je sais, je sais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Bon, allez, on y va. Allez. Are you ready to the fight? Allez. On va faire attention à l'autre guignolo là qui va me saouler. Loretta. On va devoir utiliser quelque chose de pas très Charlie. Je vous préviens, ne faites pas ça chez vous s'il vous plaît, d'accord? C'est quelque chose qui est interdit normalement. Mais vu comment ils m'ont gonflé aujourd'hui, moi j'ai le droit, d'accord? Donc je me prends ce droit exceptionnel. C'est de prendre le bouclier cancer. Avec la parade cancer qui permet de renvoyer les sorts. Mais comme ça ils vont mourir. Tout simplement, tout à fait. Ils vont se laisser mourir, littéralement. Nous sommes d'accord. C'est sac à merde. On fait ça, hop, parade magie, comme ceci, là, hop, et ça dégage. Et oui. Comme par exemple, là, ces sacs à merde, là. Ah, comme par exemple, voilà, quoi. Hein, monsieur, c'est vrai. Non? Ah ouais. Vas-y, tape. Hop. Oh, ça tape rien. Bon, en fait, c'est de la merde. C'est de la merde. Oh, putain. Ça fait pas de dégâts. Oh, putain. Départ. Oh, merde, je me suis pas buff. Bon, c'est pas grave. On a le temps. Ah d'accord, je viens de faire une parade qui n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Ah oui, en fait, si ça marche, mais il y en a tellement.
Bon allez. Ouais mec, t'abuses en fait. Mais mec, arrête ça. Oh putain. Ok. Non. Mais attends, c'est Loretta qui va me farmer. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Oh putain. Please. Pourquoi moi et te farm? Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Merde. Bon, j'ai réussi à mettre un point qui sert à rien. du coup. Ok. Bon, faut se concentrer là, les gens là. C'est pas sérieux là. On en a marre de se faire farmer là. C'est simple, si on meurt là sur cette partie là, on désinstalle le jeu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Non, je déconne. Les mecs. Ah, franchement, si je meurs là, je désinstalle le jeu. Littéralement. On y installe direct. Pas le temps. Allez. Mais t'es coup d'un seul. Non, c'est trop long. Oh putain. Oh putain. Les triples flèches de la mort. Oh mais putain, mais c'est pas possible quoi. Putain, le souci c'est que je tape trop très fort, mais lui il tape trop fort aussi, putain. Oh, ça m'énerve. Après, on pourrait succomber à la facilité et invoquer quelqu'un. Mais bon. On n'est pas comme ça, hein. On est d'accord.
Il n'y a que sur Michaela qu'on fera ça. On garde un joker. Allez hop. Allez, on y va. Merci. C'est bon, t'as fini? Merci. Putain. Ça y est, chaud à passer les penards quand même. Hein. Là, je trouve tellement stylé quand même ce boss en vrai, malgré qu'il me casse les pieds. Tiens, on n'entend plus Wick. Oui, Wick. Weekend. Il est en train de geeker ce petit fou là. Alors. Il a pris les popcorn et il est en train de manger pendant que je me fais farm. Je me dis, oh putain, qu'est-ce que c'est bon de voir Crazy se faire farmer. Je me languis d'avance. J'ai même sorti les popcorn pour cette occasion. Alors. Hop. Donc. Ah, ça y est. Oh putain. Pas mal. Ah, il me casse les pieds. Fait chier parce que j'avais pas du tout à le déséquilibrer quoi. Et ça me gonfle.
Alors. Non! Putain, quel connard! Ah bah super. Alors là, on peut pas démarrer mieux, quoi. Non mais. Le perso il fait exprès, c'est pas possible. Je lui ai demandé de switcher, il a pas voulu quoi, putain. Bon. C'est pas grave. Ok. Allez, on y go. Allez, dépêche-toi. On a pas 10 ans devant nous. Dépêche, dépêche, dépêche. J'aime pas si la bénédiction de l'arbre monde, en fait, au vrai, il est bien, quoi. Ouais, en vrai. Je me demande, je me pose des questions, parce que clairement... Bon, allez, cette fois-ci, on fait la technique ancestrale. On fait la technique de l'épée. Ok, super. Moi, c'est fait. Allez, ça dégage, les gars. Oh. Putain, c'est abusé quoi. Je vais finir par changer de set, les gens. Ça commence à me gonfler en fait, là, clairement. Voilà, comme ça bon, on va tanker un minimum. Voilà. Voilà. Allez, c'est parti. Comme ça on arrêtera de se faire one shot. Allez. Ça, ça m'énerve parce que c'est des sets qui sont, que je trouve jolis, mais au final, si tu veux être tout le temps, voilà quoi, clairement. Non, t'es pas censé te faire toucher avec ce genre de set là, mais ça, c'est dur. C'est dur de me dire ça, quoi, clairement. Allez, c'est parti, on y va. Allez, on y va. C'est bon? Eh merde. Ah putain! En fait, c'est tellement random que le fait qu'il se soit knock ou pas. Donc à part les deux shots, ça change rien, hein. Clairement. Ah. La magie one shot toujours autant, c'est abominable quoi. Ah.
Je sais pas quel level il est cette zone de merde là, mais c'est abominable quoi. Ouais. Ouais, ils sont très haut level. Hein. Très 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 haut level. Ouais. Putain, je suis dégoûté quoi. J'étais bien parti, il fallait qu'il me fasse son truc de mort là. Le pire c'est que je fais des bons gros dégâts moi aussi, mais le pire c'est qu'il fait que bouger, donc t'as pas le temps en fait, en vrai. T'as pas le temps de le burster quoi. C'est pas comme les autres victimes à pied là que tu peux victimiser tranquillou là. Lui il est casse-couille quoi, il fait que bouger, 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 bouger. Il fait que ça le mec, il passe sa vie à bouger. Oh putain. Ça m'énerve. C'est une attaque qu'il faut dodger au pixel près, sinon tu crèves quoi. C'est. Ça m'énerve de faire ça. Allez, on y retourne. Ce qui me fait chier, c'est toujours ce putain de battle mage hein, qui casse les pieds là. En train de casser les pieds ce con. Et merde putain. Bon, c'est pas grave. Allez on y va.
C'est bon, t'as fini? Merci. Putain, le mec, quoi. Ça va, t'as pas trop d'épée au-dessus de ta tête? Putain, plus c'est quoi? Le mec est tout le temps dans l'excès, quoi. Et c'est que ça qui chante avec ce boss là, c'est que plus t'avances et plus il est dans l'abus de la magie, quoi. C'est n'importe quoi. Ça te fait adorer la magie, quoi. J'ai que dalle, hein. Putain, ça limite en vrai, ça me sert à rien en vrai. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Bah, ça, ouais. Résistance magique cancer. Résistance à la cancer magie, quoi. Hein, on est bon. Non, mon double est level 1. On ne va pas céder à la facilité. Mon cher Tenden. Et super, j'ai oublié de mettre mon truc, quoi. C'est super, ça. Hein. Putain, mais quel sac à merde que je suis, quoi, ça. Hein. J'ai oublié de mettre la potion, quoi. Allez. Bon dégât, quoi. Putain, on avait tellement bien géré. Dégoûté. On avait géré comme un dieu et il fallait que je fasse de la merde. Oh putain, en plus j'ai pas rappelé l'ascenseur. Ouais, donc quand j'arrive à le coincer, le burst il est là, hein, mais clairement. Le problème c'est que ouais. Bah ouais, j'étais presque de ouf. Merde. Ne me fais pas chier, ne me fais pas chier, ne me fais pas chier. Merci. Allez. Hop.
Ok. Allez, on y va. Merci. Oh putain, il y a mis son boss de merde là. Non. Ah putain. Mais cette attaque, putain, j'arrive pas à l'esquiver. Hein. Putain, c'est abusé ça. Je vais finir par devoir mettre le dodge du Limi. Hein. Allez. Faut juste que je sois aware sur le changement d'arme pour pouvoir faire le pas du limier. Je pense que c'est le seul moyen que j'ai pour activer sa merde. Hein. Celui-ci il est facile. No comment. No comment, no comment, no comment. Is no commento. Purée, il faut juste que j'arrive à avoir la bonne frame et le déchirer, mais... J'y arrive pas. Hein. Chaque fois, on a des patterns de chien là. Il est relou comme tout là.
Allez. À chaque fois, je suis trop gourmand. Merci. Allez, bien sûr. Mec, il te décoche les flèches de l'espace, quoi. Non, mais sérieusement. Ouais, il est relou. Qu'est-ce que c'est gonflant de se faire farmer? Qu'est-ce que ça me gonfle? Je vais finir par faire des view piou piou avec mon arme, ça va aller vite quoi, clairement. Mais ça sera pas du tout fun quoi, clairement. Avec l'épée du mage là, que j'ai eu là, j'ai juste à faire piou piou et puis basta quoi. Mais, esquiver piou piou, c'est pas non plus fun quoi, clairement. On n'a pas de gloire. C'est mieux de manger du sol. C'est meilleur pour la santé. Allez. À chaque fois, je suis trop gourmand. Bah oui, c'est bien lui qui lui tue. Il est fort. Oh putain, c'est pas ça que je veux. Putain, je m'embrouille dans mes propos et tout. Ah putain! Ouais bah j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mettre le limier quoi, putain c'est un truc de fou.
Qu'est-ce qu'il peut me gaver, ce tas de merde, je vous jure. Ils ont bien fait d'avoir mis cette zone en optionnel, hein, clairement, parce que clairement, la purge que c'est... voilà quoi, on s'en passerait bien, clairement. Surtout le sort que ça donne. En vrai, quand il te le met dans ta gueule, ça fait trop mal, mais quand tu l'as, ça vaut R. Quoi. Alors. Et voilà, et voilà. Je prends des coups stupides. Ah là 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 là. Laisse-moi des fenêtres pour taper, quoi, sérieusement. Laisse-toi farm. Bouge pas, tu vas voir, je vais m'occuper de toi. Ça me gave. Quand elle change de paix, là, c'est bien, mais... La minouche. Voilà. Tac. Hop, allez. Oh putain. Putain d'endurance. Yes. On l'a eu ce gros tas.
Oh putain. J'ai géol. Oh putain. Franchement, je sais pas quand est-ce qu'ils vont retirer cette connerie, mais ils sont un peu guignolos, quoi, les mecs. C'est un peu casse-cou, quoi. Clairement. Encore qu'ils glitchent pour casser leur jeu. Ok, mais casser les couilles aux gens, clairement. Le mec, c'est vraiment cassé le cul à faire ça sur toute la map, quoi. Clairement. Le mec, il y a que ça à foutre dans sa life, quoi. Merci à toi pour le GG, Tenen. Voilà. Voilà. Être obligé de déco reco pour pouvoir faire la grâce, quoi, clairement. Voilà, quoi. C'est un peu Charlie, quoi. Alors, montée de level, donc on va mettre 15 d'ésotérisme. Est-ce que je peux améliorer mes fioles? Ah ouais. Mais lol. J'aime bien ne pas utiliser mes fioles, en vrai, c'est insane. Ok, j'ai atteint mon max. Ok. Alors. Est-ce qu'on n'aiderait pas un petit pélo à faire le boss vite fait là? Oh putain. Oh putain. On en fait un seul. Et si je crève, ça bat les couilles, on s'arrache. De toute façon, il est quelle heure là? Ouais, ça va être mon dernier boss. Donc, allez. On le first try avec quelqu'un là. On l'aide, on le carry là. Allez. Allez, on carry les enfants. Hein. On est chaud. Par contre, j'ai pas le doigt magique. Non, j'ai pas le doigt magique. Alors attendez. Donc, allez, on pose le petit doigt magique. Hop. Bon, du coup, ouais, le griffe de limier, je m'en suis pas servi. Il faut vraiment le coller en fait. Ce qui est dur au final, parce que bon, il nous punit souvent quand on est collé à lui. Hein. Ah, attendez. Je vais le mettre près de la statue. En plus près encore. Merde. Oh le con. Voilà. Comme ça les gens ils croient que je suis sur le truc. Je pourrais bien utiliser l'autre truc, mais j'ai peur d'être invoqué sur toute la map, donc... Bon voilà quoi. On va faire comme les guignolos, on va se mettre là. Et on va poser un message. On va dire, oh regardez comment je suis fort. Je suis trop un PZNM. Droit devant course. Oh merde. Oh il m'a tout cassé. Ah oh, je suis deg. Ah oh, non 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 non. Des barres. Normalement c'est un boss qui doit dropper pas mal. Hein. Ah il est chaud lui, je le sens. Allez. Lui il y a vraiment pas honte par contre hein. Il joue saignement sa mère. Non respect quoi. Bon bah, ils l'ont bourré, hein. Oh putain. Ah, Loretta. Ah, le saignement, ouais, t'as fait.
L2 for win. Oh putain. Ah le gros, ouais, il était pas mal. Le schmout. Il s'appelle Schmout, sa mère. Il schmout sa mère. Bon allez, on en fait un dernier pour le LOL. Allez. Parce que c'était rapide. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a les points en pic, ouais, le Rota, là. Du pur saignement en cancer, quoi. Du pur cancer, sa mère. Sa mère, le cancer. C'est quoi, ça? Ah, d'accord, ok, j'aurais dit. Ok. Ah! Invoqué dans un autre monde. Amen. Ah, il a bugué. Ah tiens, un cancer qui envahit notre monde. Oula. Il y a Noël. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Mec, ils envoient des putains de kamehameha. Eh putain, je suis mort. Oh, je suis deg. Bon bah voilà. Ce fut notre dernière mort magistrale. On est mort comme un caca. On s'est pris le double dash. Et on est mort. On s'est pris un tap. Un tap dans la gueule, là. Bon bah voilà, sur ce, on va se laisser ici. Moi je vous dis à deux pieds. On arrive petit à petit à la fin du game. On va galérer, franchement on va galérer de ouf. Je vous dis direct. Michaela et tout là, franchement. J'ai peur, franchement j'ai très peur. Hop. Ouais, à deux pieds, ouais. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas trouvé d'autre jeu qu'Elden Ring. C'est assez dur en ce moment de trouver un bon jeu. Clairement, j'ai pas grand chose, quoi. J'ai pas grand chose à mettre sous la dent. Donc, allez, sur ce, je vous dis à plus dans le bus et portez-vous bien. Allez, ciao, ciao.